Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Eh ben, ici, hein. Après, nous sommes dans le PNG Yalan. Moi, un groupe majorité, hein? Et leader, hein? Moi, un groupe minorité, hein? Moi, ça qui candidat au niveau Sénat. Et m'a dit non, après une longue route, c'est pas pareil, jouet que nous venons régler ici. Hein? Parce que dans nos pays, dans nos jeunesses, là, dans nos paysans, dans nos chauffeurs taxi moto, dans nos mêmes monde qui est dans le pays. Là. Et nous avons tout le monde qui est dans l'État. Moi et Jean-Charles, nous décidons de faire Haïti en notre image. Et nous décidons tout de développer relation pays d'Haïti avec tout le pays dans le monde. Nous faisons travail avec le pays qui est trouvé dans le continent asiatique, Amérique latine, Amérique du Sud. Nous sommes tous dans le continent africain. Essayer, matin nous y vais. Nous étions réunis avec le sénateur et quand nous prenons un avion pour aller dans l'autre état, nous retournons ici encore pour nous rencontrer avec l'autre monde qui est dans le gouvernement. Nous avons un gros travail à faire pour Haïti. Celle qui nous connaît, nous voulons dire haïtiens, nous allons faire noir, nous allons faire jour. Pendant la mission, tout, je profite de condamner mon cap dit à mettre le président à droite à gauche, petite Dessaline, pendant que nous sommes continent africain. Nous demandons sécurité et pour nos élections. Nous ne pas le gouvernement provisoire, car d'Haïti, nous ne pouvons pas aucun accord. Le peuple est prêt pour choisir les gens qui vont diriger le pays, qui ont une légitimité. Pendant que nous sommes président, nous petits de Salino, nous travaillons pour Haïti. C'est le job pour le peuple haïtien. Que les gens qui sont dans la diaspora, que ça qui est dans la diaspora, ce n'est pas seulement pour le corps. Nous voulons nous participer dans la vie économique politique paysan. Et je voulais rassurer ni diaspora, ni les gens qui sont dans 4 coins d'Haïti, Haïti n'a pas péri. Nous, petit de Saligno, nous voulons prendre destin pays nous-mêmes. Et ça qui fait, nous cherchons l'origine, nous ne pas capables de coopération avec les pays qui trouvent dans le continent africain. Nous venons parler de commerce, il faut qu'il y ait un lien qui fait Haïti avec le continent africain. Il faut qu'il y ait une question bancaire, une question de l'argent électronique. Et question commerce, question ressources naturelles. Ici, il y a plein de ressources naturelles. Il y a pétrole, il y a l'or, il y a bronze, il y a diamant. C'est tout le bagage ça, on vient parler. Comment nous sommes capables de développer relations avec le continent africain. Son gros exploit pour Haïti, ce n'est pas pour moi, Jean-Charles, mais pour mon pays. C'est pour le pays d'Haïti qui m'a fait ça. Un gros merci à la délégation qui est avec nous. Malheureusement, nous avons arrivé, nous avons un problème dans la route, mais nous avons fait tout le temps pour nous présent pour ne pas rater un contrôle. Haïti qui est là, nous allons camper dans la route, nous allons aller jusqu'au bout. Finalement, nous sommes sortis à Abuja, capitale pays Nigeria, et qu'on est arrivé dans Enugu, son état qui son état Ibo. Nous pouvons nous faire quelques minutes au volant. On est à Bano, Salsa, et c'est pas son bon cas avec sa délégation de Balou maintenant. Et puis, le doute de tout, ça a besoin pour nous être en contact avec le monde. Nous pouvons avoir besoin d'être en contact avec le monde. Et puis, nous disons tout le monde, préparez-vous d'être tenu pour vivre le bon événement de la fête. Dis ce que nous allons présenter, dis ce que le gouvernement va présenter. Ça nous va faire ensemble comme des entités qui identifient nous à Ibo. Nous pouvons être important. Ou présence ici. N'a pas défendu l'intégrité et puis souveraineté autour de l'État sur haïtien. Et travers ça grand plus de temps de parce que 29 années. Visite ça nous fait ici. Non seulement accueil, mais préparation pour visite là. Billboard toute la rue. Ce sont extraordinaire.
nous dans état Enagou. C'est un état qui trouve dans le sud-sud-est et pays Nigeria. C'est là origine nous sorti. Ni quoi, ni moi-même, ni délégation qui accompagne maintenant, nous avons mis des sacs passés là aujourd'hui. Ce n'est pas qui m'a dit pour apprécier. Nous, je dis, c'est une zone assez intéressante. C'est une zone symbolique. C'est une zone qui symbolise l'idole. C'est une zone. Je ne peux pas inviter n'importe qui monde, je choisis qu'on peut inviter. Je suis vraiment en mission comme un petit combo qui débarque ici, qui vient ici. Et qui vient pour aller chercher l'autre Ibo, ça qui trouvait au niveau Colombie, ça qui trouvait au niveau Haïti, et son bagage a tant de besoins de personnalité dans le monde qui vous fait travailler ça. Et bien, nous avons ça, et nous avons toute qualité de préparation qui fait pour l'événement ça, et dès demain, dans le travail ou bien dans le discours dit pour nous le présenter, il faut montrer clairement. J'ai dit là, ce n'est pas seulement diplomatie qui a pris là, ce n'est pas seulement faire culture, mais faire commerce. Tout. Je dis, il faut me porter le discours ça pour me faire un ralliement de l'ensemble Ibo qui gagne dans tout le monde là. Quelle tâche! Nous-mêmes, conseil avocat ex-première dame, là, nous pas entendre ni approuver ni désapprouver rapport qui produit par réseau RNDDH. Nous pas entendre ni approuver ni désapprouver. Tout simplement, nous-mêmes nous prenons acte du fait que il y a un rapport que RNDDH produit et qui mettait à nu un juge d'instruction à lui-même que était confié dossier assassinat ancien président de la République là qui c'est monsieur Jovenel Moïse. Révélation ça yo qui fait yo, fait ça yo qui rapporté dans rapport et également qui rapporté dans et lettre que yo voyé by CSPJ, c'est des propos nous capable dire qui très péjoratif, des propos qui vraiment avilissant qui concernait juge là et également greffier qui a travaillé ensemble avec lui dans quatre dossiers ça. Donc qui fait que yo t'ai rapporté by RNDDH, qui variable que lui-même était capable d'utiliser pour le capable manipuler pour arriver à la conclusion ça yo, qui méthode que lui-même était utilisé, méthode qualitative ou bien méthode quantitative, qui ça a été fait. Donc ça yo nous pas rentrer dans yo, nous simplement constater rapport là. Et de notre côté, si toutefois ça yo qui rapporté yo, c'est des faits qui réels, des faits qui vrais, c'est pas des montages que yo yé, nous dit RNDDH yon gros bouton ton merci. Non, non pas nous, non non client nous qui c'est madame Martine Moïse, mais également tout nous dit merci, non non peuple haïtien et non non tout le monde à travers le monde entier qui attend que justice faite, que lumière capable blayer dans quatre dossiers ça. Normalement, nous connaissons très bien avant même que nous arrivions plus loin dans le rapport que nous vivons dans une société côté majorité monde, yo toujours gagné ça n'est capable reler, yo sentiment d'insécurité dans affaire la justice. Dès que ou les moun dans la justice, il pas jamais trouvé que lui-même li conforme vraiment, li à l'aise parce que toujours gagné par derrière tête moun nan une sorte de peur bleue de la justice tellement que la justice lui-même li corrompu. Non sans ça, est-ce que effectivement fait yo que yo rapporté nan que RNDDH rapporté dans rapport là, est-ce que yo vrai? Est-ce que yo pas vrai? Yo utilisé pouvoir que yo même yo gagné pour capable soutirer de l'argent à moun ou encore d'autres avantages encore. Donc ça yo c'est des informations extrêmement graves, des allégations que yo t'a supposé mener des enquêtes pour yo capable trouver qui côté vérité a e. En même temps tout yo présenté monsieur Élise Cadet qui c'est greffier juge Gary Aurélien comme complice juge Gary Aurélien. Puisque le noir est très bien dans le dernier paragraphe qui trouve dans la première page là. Et rapport là fait qu'on est que le greffier Élise Cadet, tout en insistant sur le fait qu'il représentait le magistrat dans cette démarche. Donc, si
effectivement Élisée Cadet, monsieur Élisée Cadet t'a va dit ça vraiment. Donc ça capable établir clairement que gagné une certaine forme de complicité entre lui-même et juge là. Et si toutefois t'a va gagner une complicité comme ça ou encore pas gagner complicité du tout, je pense que magistrat apparaît un petit peu très laide pour que ces mêmes greffiers ça pour t'a toujours kembe pour le capable continuer dossier. Donc ce qui capable créer un obstacle encore à avancement dossier ça. Ça c'est un premier point, nous allons venir plus loin. Greffier Élisée Cadet tout, yo fait connait que le te mandé prêter machine dans RJ Rent Ecart. Pas oublier que RJ Rent Ecart c'est une institution dans pays qui loue machine que non cité dans rapport là. Comme quoi, yo même yo t'a va prêter, yo t'a va louer machine à mercenaires qui te viennent dans pays là pour te capable mettre éteindre sous président. Donc si moun sa yo wap mené investigation, wap mené enquête contre yo, wap instruit contre yo, ou mette mandat contre yo comme magistrat et que greffier yo fait connait que li a agi en toute complicité ensemble avec ou al mandé prêter machine qui dit prêter là nous en présence de ça n'est capable relé yon contrat à titre gratuit, ça veut dire c'est des faveurs, des avantages que ou même al mandé, et ben ça li mandé yon enquête approfondie. Nous pas arrêter uniquement dans un sept rapport que RNDDH fait. D'ailleurs, nous connaissons très bien que les demi-vérités sont pires que les mensonges. Donc, gagner des informations que RNDDH bail, c'était tout pour faire travail pour capable comprendre qui ça que le dit, pour capable deviner ça le dit. M'a prend quelques points avec nous. Là que la parler, il dit que des personnes, la parler de les personnes en question et que le juge avait demandé $50,000 américains à ces personnes. Quelles sont ces personnes? Comment magistrat a fait contacter Mounio? Est-ce que c'est là qu'il est allé? Est-ce que c'est message qu'il a dévoyé? Comme greffier a fait connaître que le travail de concert, que le travail ensemble avec magistrat, est-ce que c'est greffier ça qui est allé ou encore qui émissaire que vous dévoyé côté Mounsayo pour aller chercher l'argent? Non, moun sa yo que yo te mande $50,000 la, combien nan yo qui te d'accord bay $50,000, ça qui pa te bay $50,000, combien yo te bay? Qui quantité l'argent yo te bay? Et qui quantité de moun tout qui débousse déjà? Qui quantité de moun qui fait des promesses pour yo payer déjà? Et si n'a pas parlé de paiement, n'a pas parlé de versement d'argent, l'argent ça qui bay là, est-ce que c'est l'argent comptant ou bien est-ce que c'est l'argent qui déposé sous compte? Qui j'en l'argent ça bay? Qui entremetteur qui te gagne? Qui l'autre monde encore qui impliqué dans le cadre ramassage de fonds, ça y aura, que nous capable de dire tout ça y aura, c'est des actes de corruption que y a dans la justice. Le monde va recevoir des pots de vin, va demander l'argent à l'autre monde, tout ça y aura rentré dans le cadre en corruption et en corruption inacceptable dans une société. Et encore, dans un tel dossier, si vraiment magistrat va faire ça, ça pas fait honneur à magistrat et ça pas fait honneur tout à la magistrature. Si yon dossier comme ça, yon dossier qui attire tout haïtien en général à travers le monde et qui attire toute la communauté internationale pour yon magistrat arriver traiter dans l'état ça, combien l'autre dossier encore qui pas parler devant la presse, combien l'autre dossier encore qui pas arriver jouer un projecteur fixé sur yo que des magistrats a mandé a rançonner des monde. M'a plongé dans le deuxième rapport qui c'est rapport d'autopsie de monsieur Marie-Jude Gilbert Dragon. Faut que moi rappeler société a que Marie-Jude Gilbert Dragon c'est un nom que non cité 43 fois dans rapport qui était préparé par DCPJ. Donc un monde comme ça que non cité 43 fois un beau matin société a pour l'apprendre que monsieur était malade. Il était malade grave. Que l'état va gagner Covid. Il a mené l'hôpital même jour, il mourit même jour. Même jour nous apprendre et nouvelle là tout, nous t'ai adressé une requête au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince près le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui s'est maître Jacques Lafontaine. Comme objet qui t'ai gagné dans requête ça, m'appelle pour nous. C'est demande d'autopsie du cadavre du détenu Marie-Jude Gilbert Dragon pour cause de mort suspecte. En fait, aucun monde à travers le monde pas capable de prononcer qu'on y a là, autre que des monde peut-être soit qui étaient dans cellule ensemble avec lui ou encore l'autre responsable de la prison.
Pour nous capables de finir avec Osé Marie-Judith Gilbert Dragon, hein, nous te demandons que l'autopsie est capable de faire et nous te écrit le même jour. Et parquet a te recevoir le 20 novembre 2021. Nous prenons apprendre avec un pile étonnement que Marie-Judith Gilbert Dragon, parce que si l'autopsie n'a pas été faite, vous êtes capable toujours par la suite exhumer quoi pour vous êtes capable de faire un rapport expertal. Mais nous venons apprendre, monsieur, le cadavre de Marie-Judith Gilbert Dragon a été bel et bien incinéré. Le cadavre a été incinéré. Donc si le cadavre a été incinéré, ça veut dire brûlé, réduit en cendres. Ben, c'est tout le monde capable de comprendre rapidement qui s'est passé. Nous avons regardé la réaction droit du tribunal de première instance de Port-au-Prince à la personne du juge Bernard Saint-Ville. Nous estimons que c'est une décision tout à fait de sagesse, à savoir, doyen ou est tellement de potes à dévaliser, gagner tellement de gaffes ou encore de cas d'extorsion ou encore des cas de corruption tout à fait répétés que nous pas qu'à dire des cas avérés parce que jusqu'à présent on peut prouver, mais il y a le principe qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ou encore il y a le principe également que la femme de César ne doit pas être soupçonnée. À savoir, dans ce dossier, nous avons cité ça les 4 cas de corruption, encore 4 frais qui ont parlé de lui. D'abord, je dis comme ça que pour juge là, t'es tendé, l'ancien directeur général de la police nationale, c'est sous coup d'argent que l'été tendé, l'été réalisé audition ça. Ils ont dit qu'on s'agit d'un ancien ministre de la justice pour juge d'instruction, tendez l'encore, c'est encore marchandage qui était fait. Ils ont dit qu'il y a ERJ, RETECA, pour annuler une interdiction de départ ou encore pour éliminer un mandat d'amener encore à coup d'argent. Et l'autre cas nous capable de citer, la libération des 4 policiers qui ont été incarcérés dans le cadre de ce dossier. Yo dou encore gagnant yo c'est qu'est arrivé faire pour porter l'argent ba juge ça. Mais attention, faudrait-il que le doyen qui est l'administrateur du tribunal n'est pas arrêté insensible à tous ces cas de corruption. Doyen prend une décision de sagesse. Je voulais rappeler parce que tout à l'heure on va commenter ça que les comportements du juge d'instruction Gary Aurélien. Je voulais rappeler juge là que même nos troupeaux de bêtes ou un cap marché ou qu'on aurait Guéon qui devant. A savoir, si dans un troupeau de bêtes ou jouen que Guéon cap marché devant qui t'a censé à commander, allez voir pour ce qu'on appelle un corps de magistrat ou encore un tribunal aussi important qui est le tribunal de premier instance de Port-au-Prince. Le juge Aurélien, dans une interview que m'entendez que li baille aux médias, li dit comme ça que li pas entendre des modes, à savoir li retient encore le dossier que doyen pas gagner compétence ou encore il n'est pas dans les attributions du doyen de lui ôter ce dossier. Juge Gary Aurélien blie que l'article 7 de la loi du 29 juillet 1979 sur les ordonnances du juge d'instruction et également sur l'appel pénal, conféré à juge Gary Aurélien 2 mois pour réaliser instruction ça et 1 mois pour que l'ipone un vlien qui est l'ordonnance que la prenne. Nous d'accord avec tout le monde que ce dossier, à savoir le magistrat tribunal là, et article 97 a dit que le doyen distribue les dossiers ou encore des affaires pénales, à savoir il revient au doyen de distribuer. Maître juge Dickinson, pour moi, je ne sais pas encore, c'est monsieur femme de la Gaza. Il n'a jamais parlé de César encore. Même pas penser juge Dickinson était mauvais comme ça jusqu'à Samuel, plus profond que ses os. Comment tu comprends, un juge? Dossier là, il y a cour de cassation. Parce que, exprimé madame, il n'y a pas quoi dans où.
parce que John Joel Joseph côté lié à là, c'est bon frère juge là. Juge là dit c'est à Delanti. On se bat qui doit le pas avancer. Une fois que le dossier à cassation. Tant de cassation tranché par un arrêt pour dire que est-ce que juge là Jean lui même la pensée dossier la PMN, est-ce que par un soupçon de lui, c'est par un soupçon de lui. On continue le dossier. Eh frère, oui, là on dit juge dans vous-même, ou pas dans le dossier encore. Vous avez dit ça? Ça veut dire que le dossier a fini ou non? Une fois que la Cour de cassation t'a dit que juge non, fait reprocher lui au parrainbé, même juge a continué le dossier là, l'a continué normalement. Eh bien, c'est pas ça passé là, non? En dépit de tout fait ça, yo, fiable et viable. Juge Dickinson dit que pas de monde qui a essayé de faire ça dans même. Ah ouais? Et la poursuite, au moment où je parle avec là, dit que le dossier dans même, ça y est, le dossier maman n'a pas parlé, t'es quitté pour lui. Et lui-même, là, pire loin encore, il voulait libérer le monde dans le dossier. Mm. Ça me donne lui-même là. Bon, qui ça y est, Dickinson pas faire là lui-même? Je personne qui a problème ni avec nous ni avec nous. Il est libéré lui-même. Si c'est pas. Vigilance. Commissaire gouvernement. Et avec doyen, j'ai l'impression que tout dossier passé devant exhumé pour libérer tout le monde net. Dans le cas, je dis non, ça, moi, je dis là. Nous connaissons très bien que Judas a été trahi. Judas a été trahi Jésus. Mais c'est fort, une idée, oui. Le même de Judas, c'est un même pas pile. Ah ouais, ou un bagaille, comment faire? L'idée de trahir Jésus pour 30 écus. Dans ça, on est là. Si juge Kenson, tu respectes nos familles, au moins tu apprends ça pour le faire. Et dans la vie, on ne doit pas respecter tête ou dans le prénom pas, mais regardez qui font mon sorti. Juge Kenson, respecter nos familles et qui ne nous pas cité là parce qu'il y a des gens qu'on connaît très bien qui ce sont des haïtiens, des juges ou des avocats qui portaient même nous avec Ekenson. Il n'y a pas de problème de yon dans le système là. Ekenson trahit famine. Mais c'est ce qu'on a eu un slogan qui dit que l'école pas qu'à tonne. Dans l'école pas qu'à tonne, nous, les directeurs d'école, serrés, collectifs des éducateurs pour le renouveau de l'éducation d'Haïti, SEM, collectif école privée de coalition des écoles de Vareux, Cité Soleil, Côte de Pétionville, Akaye, Tafou, Delma, nous là, Guadeloupe, nous là, nous venons réclamer une bagaille qui nous vient de droit. Pas oublié, en 2011, lorsque monsieur Maté était président, il a créé le programme SUGO. Mais ça revient de droit. Un, c'est la subvention. Deux, c'est comme SUGO, dans la 50 diaspora. 7 centimes sur chaque minute d'appel que nous allons jouer. Je dis à nous, monsieur Maniga, dégagez-le. Pressé, payez nous comme nous, parce que nous, nos situations difficiles. L'école n'est pas crasée dans la troisième circonscription. L'école qui est dans la quatrième avenue, puisque vous n'avez pas traversé Matisson, vous la guéco dans le centre-ville. L'école qui est en deux bases Matisson, puisque vous n'avez pas traversé la quatrième avenue, eh bien, vous la guéco dans le fou. Et bagage nous parle dit qui est triste pour le monde, c'est que l'école, ça a fusionné. 3, 4 l'école, nos seuls établissements. À chaque fois, vous allez voir un individu, et eh bien à l'intérieur de l'individu, il y a un lion qui dort. ANID a travaillé dans divers objectifs, tant pour faire plaidoyer dans toute l'intégralité pour diaspora cajouine, placer dans l'activité socio-politique, économique pays. Défendre droit à intérêt diaspora gagné dans le pays. Et accompagner yo, les yo volé bien yo nan tout mal taille. Accompagner yo nan tout sens, côté yo besoin aide nous. Travail main à main avec consulat nous, avec ambassade nous, ministère affaires étrangères. Pour nous affiner zone Karalou dans tout pays côté qui gen diaspora haïtien nous, chercher connaître qui ça yo a enduré comme problème et connaître comment nous capable accompagner. Travail en
collaboration avec l'organisation Droit Moun dans le pays, côté top pays ou à l'étranger, pour nous capables de protéger la diaspora, quelle que soit la circonstance. Conscientiser, sensibiliser chaque grain haïtien ici ou à l'étranger pour comprendre l'importance de la diaspora dans l'économie du pays. Continuer à encourager, pour porter collaboration, participation, aide, pour nous construire le pays, nous, chance à le faire. Sincèrement, je pense que c'est la première organisation officiellement qui paraît pour défendre l'institution ça, ou bien le secteur ça, qui est le secteur diaspora. Pour pas que nous puissions parler de diaspora, mais prendre l'initiative là, c'est pas ça. Peut-être, dans pays étranger, il y a pile haïtien qui mettent tête ensemble pour faire l'organisation de la soirée. Même parce que c'est la première institution légale qui est placée dans le pays d'Haïti, qui c'est ANIP qui va défendre ces deux ans. Et là, nous disons défendre, premièrement, nous avons des objectifs. Nous disons c'est faire un plaidoyer pour nous faire accepter toute décision de la soirée pour le pays, parce que nous connaissons que l'État haïtien n'a pas d'importance avec ça, surtout. Et surtout le secteur économique là. Parce que les groupes qui sont en l'air, ils seulement contentés, ils ont même le café business seulement dans le pays, mais ils ont petit pays qui sont à l'étranger, qui travaillent longtemps, ils n'ont pas l'accès pour faire ça. Et c'est ça qui fait nous, en pile fois, diaspora a une idée pour venir dans le pays, soit ils kidnappent ou bien ils tuent. Nous-mêmes, ANID, qui ça nous fait en premier lieu? Nous sommes un cabinet d'avocats qui pourra travailler sur la question ça, les diasporas pour le problème dans le pays, pour que des gens qui campent derrière, des gens qui peuvent défendre. C'est pour ça que nous-mêmes nous là, et pas que nous sommes les gens qui ont libre. Parce que moi-même qui là, moi c'est une diaspora. Okay? Même le pas décidé d'aller aux États-Unis encore, pour jamais y a servi mon dans le pays, moi-même prends une décision, je suis là quand même. Ça veut dire que nous travaillons en collaboration avec tout le reste qui est dehors, pour nous voir comment nous sommes capables d'avancer dans cette question. Plateforme politique Victoire, parti politique Héritage, levez-vous ensemble pour continuer à condamner les actes kidnapping, vol, assassinat qui a ravagé la population haïtienne. Sorti dans l'année 2021 pour arriver dans l'année 2022, c'est toujours le même climat d'insécurité qui a persisté en bas misère. La vie chère, grand goût à toute qualité de problème qui pendait sous dos malheureux. Pour ça qui concerne les crimes matissants, Croix des Bouquets, la boule 12, Cité Soleil, n'après les hommes contre toutes actes malhonnêtes que les peuples haïtiens ont subi. N'a demandé tout le monde, CSPN, prend engagement pour la vie retourner dans le pays. Si tout dans la zone Matissan qui bloquait l'activité, 4 départements dans le grand sud là. Nous-mêmes, dans la plateforme politique Victoire et parti politique Héritage, nous condamnons démarche anticonstitutionnelle 5 présidents que messieurs dames qui n'a encore Montana mettez sous pied pour satisfaire intérêt pa yo. C'est avec un pire tristesse le n'a gardé un petit pays de Haïti trouvé un président qui est kay blanc dans l'état Louisiane côté président pays Louisiane n'a retrouvé dans la rue à gros âme francs foi qui prouvait à clair que ça pas gain rien pour ak démocratie ni au état de droit. C'est pour ça même n'a demandé père Ariel Henry. Premièrement, mettez sécurité dans le pays. Deuxièmement, formez pressé nouveau conseil électoral provisoire. Troisièmement, faire référendum pour organiser élection libre, crédible et démocratique dans le pays. Pour nous finir, nous avons mis tout secteur dans la vie nationale là, mettez tête ensemble pour nous donner une solution à la crise politique qui a bouleversé haïtienne. Non, mettez tout le monde dos à dos. Pendant que nous disons tout le monde, qu'on peut faire ma conviction politique, nous. On fait une chaîne solidarité pour sortir Haïti dans la situation difficile s'allier journée et aujourd'hui. Vive plateforme Victoire, vive parti politique Héritage. Plateforme politique Victoire voulait attirer attention population sous jour 7 février 2022. Côté gain en pile, inquiétude, comment vous assurer continuité de l'État. C'est pour ça même, nous applaudissons dévouement sénateur Joseph Lambert qui décide d'établir une rencontre avec Premier ministre Nation jour cap mardi 25 janvier 2022. N'a pas rappelé PM Ariel Henry pas qu'à aller comme ça
sans que pas gagner yon président pour le remettre démission. Faut ne pas oublier tout. Parlement, c'est seule institution légitime qui est capable de décider bail yon président jour 7 février 2022. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, qui attendait des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Thank you.